na 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 na. Franchement, Arel Chine, il est dangereux. Il est franchement dangereux. Et je sais, Kaminera, ça sera vraiment, vraiment du lourd. Ça, il n'y a rien à dire. Là, je peux vous le promettre, ça sera vraiment du costaud. Voilà. On s'est prendre du chapeau le jingle. Je vous aime, famille. Abonnez-vous. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Yo la famille, c'est comment? On dit quoi ici là? C'est Héritor, toujours max de partage sur cette vidéo là. Max de partage, c'est très important. Et continuez de vous abonner, en tout cas actuellement vous abonnez un tas, mais je comprends pas. Franchement, merci pour le soutien, merci pour votre assistance, merci pour tout. Big up à Trace FM qui fait un boulot de ouf pour la musique ivoirienne, franchement. Ils sont à applaudir et je les félicite, franchement. Et vous savez, hein, vous venez d'écouter un bout de la grosse bombe d'Ariel Chili. Si tu veux écouter tout le son, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, t'inquiète pas, c'est pas un poisson d'avril. Un live sur Yamina d'Ariel Chine, juste en fin de vidéo. Parce qu'il faut dire aussi que cette vidéo-là, on parlera de DJ Arafat et d'Ariel Chine exclusivement. Et en même temps, vous passez quelques informations très importantes. Voilà. La première info, c'est Serge Bino. Serge Bino, l'arrangeur devenu artiste Pointini Nikuyai, fait l'ouverture de son premier restaurant. Parce qu'il faut souligner que c'est une chaîne de restaurants qui veut mettre en ligne. C'est très important et c'est à encourager. Mais il a préféré commencer dans son lieu de résidence, c'est-à-dire Bassam. Voilà, donc c'est un événement à ne pas manquer. Trace sera là. Beaucoup de médias seront là, beaucoup de stars seront là. Donc venez qu'on s'amuse, venez qu'on montre à Serge Bino que on peut être fan de Debordo, on peut être fan de DJ Arafat, mais on soutient la musique ivoirienne. On soutient tous les projets de nos artistes ivoiriens. C'est très important. Donc moi, je vais m'arranger à cotiser jusqu'à samedi pour avoir le transport, pour participer à cet événement-là, pour acheter au moins un jus dans le restaurant de Serge Bino. Qui sait, peut-être faire une photo. Héritant Serge Bino. Ah, il y a pas un point un peu. Ouais. Voilà, donc 6 avril, voilà, du côté de Bassam, c'est là-bas ça s'est passé. Voilà, ne vous faites pas raconter l'événement, dépassez-vous massivement. Bassam Abidjan, c'est comme tu es dans la plage. Donc, tu n'arrives même pas à la plage, tu tomberas sur le restaurant de Serge Bino. Donc, j'invite tout le monde, voilà. Réconcilions-nous de manière naturelle, ne forçons pas les choses. Voilà, et je pense que c'est à travers ce genre d'événement-là qu'il peut avoir rapprochement, qu'il peut avoir entente et symbiose. Bref. Deuxième encore, excusez-moi, hein, quand je suis trop inspiré, trop en joie, voilà, de vous retrouver comme ça dans une nouvelle vidéo, c'est comme ça, souvent je me trompe, ça arrive. Voilà, donc comme je disais, deuxième info, c'est encore Serge Bino, mais cette fois-ci, il y a Safari dedans, il y a Fali Pupa, il y a la légende vivante, Yusundu. Et c'est juste après l'ouverture de son restaurant. Qui sait? Peut-être que Yusundu a venu d'abord dans son restaurant, ça c'est juste pour déconner. Mais bref, c'est pour vous dire que la fondation Mo Ibrahima organise un grand show au Palais de la Culture avec de gros artistes dont Serge Bino, Safari Le Bien, Yusundu, Fali Pupa. Et c'est ce dimanche-là, juste après l'ouverture de son restaurant. Donc j'invite tout le monde à se déplacer massivement. C'est un événement à ne pas rater. C'est du côté du Palais de la Culture. C'est le show MIF Abidjan. Voilà, ça s'est passé. Voilà. Moi, franchement, je ne pouvais pas vous mentir, hein, j'adore bien Fali, je respecte Yusundu, Serge Bino est aussi un artiste que je respecte beaucoup, mais franchement, j'y vais pour Safarel, parce que je sais que c'est Safarel qui me fait transpirer un peu. Voilà. Donc, tous les fans de Safarel, vous avez l'obligation de vous déplacer massivement, les amis. Vous avez l'obligation de vous déplacer massivement. Donc, c'était un peu ça, les infos que j'avais envie de faire passer. Excusez-moi, ce sont mes compagnons et les oiseaux, là. Ce sont mes compagnons. Comme je fais généralement mes vidéos dans le jardin de notre maison, c'est pourquoi vous entendez souvent le bruit. Voilà, et moi, j'aime bien les animaux et surtout les oiseaux. Surtout ces moineaux, là. Ok, donc on se prend juste après pour parler d'Ariel Chine et de DJ Arafat. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je mets le live d'Ariel Chine avant de vous parler d'eux, ou je vous parle d'Ariel Chine et DJ Arafat d'abord. Je pense que je vais placer le live et puis on se prend juste après le live. Écoutez le son d'Ariel Chine. Franchement, le petit n'a pas bavardé pour rien. Tout à l'heure. Ouais, vous aimez bien les exclusivités. Mais c'est pas intéressant comme ça. Voilà, c'est le deuxième poisson d'avril du mois. Rendez-vous demain. C'est le 5 avril, hein. On patiente les gars, on se fâche pas, hein. On patiente demain sur la chaîne d'Ariel Chine pour déguster la mina. Ok, on se fâche pas. Je vous ai eu encore, ou bien.
Mais pour ceux qui veulent avoir les suivis, vous pouvez aller sur la page officielle de Trace FM. Je vais dire Trace Afrique. Vous allez voir le live là-bas où Arel Chiné a fait montre de son talent. Dans les studios de Trace. Voilà. Pour ceux qui ont envie de voir, d'écouter avant, demain, Amina de Arel Chiné, je pense que c'est sur la page de Trace FM que ça se passe. Donc j'invite tout le monde. Allez, regardez, on se fâche pas. Poisson d'avril, deuxième poisson d'avril. Voilà, et bien vous gagnez encore. Ciao, ciao les amis, on est ensemble. Voilà, ça c'est une musique de grande facture, de grande envergure. Arel Chiné, franchement, tu es fort. Tu es super fort. Donc toi, tu fais tout. Fais-nous du YouTube bientôt. Là, au moins, je sais que tu es vraiment compris. Voyez, Raga, tu tues. Dinsol, tu tues. Coupé des galets, tu tues. Arenbi, tu tues. Mais franchement, où tu vas? Ton talent, il est énorme, Fatigue. Chose. Oh, il n'y a pas envie de dire petit, mon frère. Ton talent, il est gros. Waouh. Chiné. Donc, tu n'as pas bavadé pour rien. Vous-même, vous venez d'écouter le morceau. Normalement, ce genre de vidéo-là, vous devez partager ça. Pour montrer que dans la musique ivoirienne, il y a des super énormes talents. Comme Arel Chiné. Ouais, petit, tu as tué. Et ça là, tu vas tuer les millions. Tu vas tuer même pas. Il sent que c'est du style un peu ghetto, façon. Ça parle d'un mousseau et de toi. Oh, non, franchement, j'attends le clip. On va décrypter ça ensemble. Franchement, grosse félicitations à truc Arel Chiné. Et sache qu'on sera toujours là pour parler de ta musique, pour parler de ton savoir-faire. Arel Chiné. Ah! Ses concurrents, non pas ses concurrents, j'aime pas parler de concurrence. Cher collègue d'Arel Chiné, en tout cas le petit Yamikba, hein. Et c'est pas un petit son. Et là c'est du live, imaginez le son, le produit fini, tout ça. Pas le produit est fini, ça passe en boucle sur Trace. Ça passe en boucle sur Trace. Comme nous on est toujours en déplacement, on bouge beaucoup. On attend simplement le vendredi là. Juste vous dis aussi, fans d'Arel Chiné, que le son sort de manière exclusive sur la chaîne YouTube d'Arel Chiné ce vendredi 5 là. Voilà. On va chinétiser un peu la chaîne YouTube d'Arel Chiné. Mais pour l'instant, ceux qui sont très pressés d'écouter le son en exclusivité, il faut aller sur Trace FM. Voilà, 95.0. C'est là-bas que ça se passe. Et pour nous autres qui aimerons avoir le son dans notre téléphone, rendez-vous ce vendredi là. Tout à l'heure avec DJ Arafat. Bon les gars, on dit que DJ Arafat est fini, il est plus populaire, il est plus à la mode. Bon, on regarde ce qui se passe, on dira pas que c'est faux, hein. Mais il est en train de mettre pas. Il a laissé aux choses move il y a quelques années, et Orange qui tombe sur lui. Et ça c'est beaucoup d'argent, ah, DJ Arafat. Tu fais les showcases, il sait pas quoi encore, tu beaucoup d'argent comme ça. Ah Orange. Bon, juste rigoler. Franchement, cette vidéo là, c'est pour adresser mes félicitations à DJ Arafat. Parce que mine de rien, le mec, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il obtient toujours de gros contrats et il est toujours dans de bonnes grâces. Et ça, c'est un artiste vraiment à féliciter et c'est à encourager. Moi, c'est ce que j'ai envie de voir aussi pour monter Bordeaux, mais bon, on ne sait jamais. Qui sait? Peut-être que de Bordeaux fera un jour la couverture du Vogue au magazine. Donc on se plaint pas, on patiente et puis on espère que cela arrive. Sinon, cher Chinois, soyez fiers de votre artiste parce qu'il vient de décrocher un gros contrat dont le montant n'a pas été révélé avec Orange. Parce que j'ai l'impression qu'il devient ou bien qu'il est devenu la nouvelle égérie de la grosse structure de communication internationale, plus précisément, qui est en Côte d'Ivoire, Orange Côte d'Ivoire. Franchement, c'est à encourager. Moi, j'en suis très fier parce que pour un artiste qu'on dit qu'il n'est plus à la mode, il n'a plus trop la cote et tout ça, mais tous les sponsors lui courent derrière. Il faut quand même se poser des questions. Hein. Comme on dit, c'est un Dieu donné, Dieu l'a béni et puis il en profite gracieusement. Voilà. C'est une histoire de on va applitiser, on va RTitiser. Franchement, vous avez bien vu la miniature. Moi, quand je vois, je suis fier en fait. Je suis fier parce que c'est un artiste ivoirien et puis même si je ne suis pas super fan, quand je vois ça, je suis très content. Parce qu'au moins, nos structures, nos grosses sociétés font confiance aussi aux artistes copés décalés. C'était Techno avec Serge Benoît, aujourd'hui c'est Orange avec DJ Arafat. Ce n'est que la musique ivoirienne qui peut gagner et nous devons simplement nous en réjouir.
Donc famille, c'était un peu ça la vidéo du jour. On se prend à 16h. On va parler un peu de Bordeaux, vous donner quelques informations et des petits trucs que vous avez envie d'entendre. Ciao, ciao, on se prend après.